Petit avertissement au début de la vidéo pour dire que cette vidéo-ci va être remplie de disclaimers, tout simplement parce que c'est un sujet qui va être difficile à aborder. Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur la bourse, mais que je sais pas trop comment l'approcher étant donné que c'est un sujet qui est quand même touché, puis que je suis juste un étudiant en physiothérapie, je suis pas conseiller financier, je suis pas un étudiant en finance non plus. Donc ça, c'est déjà le premier disclaimer de la vidéo. Je suis juste un simple gars sur YouTube comme vous, une simple personne sur YouTube qui veut juste partager ce qu'il sait à propos de la bourse pour essayer un petit peu de casser le mythe à propos que la bourse, c'est vraiment risqué puis que c'est pas nécessairement pour les étudiants. Donc aujourd'hui, on discute de ça. En aucun cas, je vais vous dire d'investir dans la bourse, ceci n'est pas une vidéo de conseils financiers, c'est juste pour des propos de divertissement seulement. For entertainment purposes only, comme on dirait en anglais. Donc je vous souhaite bonne vidéo sur la bourse, ça commence maintenant. On va y aller d'une manière qui fait du sens pour s'assurer qu'on apprend les choses dans un ordre chronologique, un ordre qui fait du sens. On va commencer avec les différents véhicules d'investissement en bourse. Le deuxième point qu'on va aborder, ça va être les différentes stratégies en bourse. Puis c'est quoi la meilleure stratégie pour les étudiants? Selon mon humble opinion, encore une fois, je tiens à vous rappeler, je le rappelle encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un simple étudiant comme vous qui s'est intéressé à la bourse. Maintenant, le troisième point qu'on va aborder, c'est la stratégie étudiante plus en détail. Je vous le dis tout de suite, ça va être la stratégie long terme dividende. Le quatrième point et le dernier point qu'on va aborder, ça va être un exemple de compagnie qui serait avantageuse pour les étudiants. Vous allez voir, on va analyser une compagnie ensemble, pas en détail, mais juste regarder rapidement un historique de dividendes puis toutes ces affaires-là. OK, donc pour commencer avec les différents véhicules d'investissement, on va parler des fameux REER et des fameux CELI. Donc on a tous déjà entendu quelqu'un dire quelque chose du genre « Hey Benoît, toi est-ce que tu investis dans tes REER ou est-ce que tu investis dans tes CELI? » OK, quelque chose du genre. Sauf que en tant que tel, ce genre de phrase-là, ça veut pas dire grand-chose parce que les REER ou les CELI, en fait, c'est des comptes enregistrés. C'est pas un placement ou c'est pas une action qu'on achète, donc c'est pas quelque chose qui est concret. Si on veut faire une comparaison pour que vous compreniez tous, là, on pourrait comparer les REER et les CELI à une Xbox ou à une PlayStation, OK? Dans le fond, on se sert de la Xbox pour jouer, exemple, à Call of Duty. Call of Duty étant l'action qu'on veut acheter, mais on doit posséder une Xbox pour en acheter. Donc, on passe par l'Xbox pour jouer à Call of Duty. Ben, c'est le même principe pour les REER ou les CELI. On passe par le REER ou on passe par le CELI pour acheter une action ou pour acheter un placement. Mais le REER et le CELI, ça n'égale pas l'action ou le placement. On va commencer par le REER parce que je pense que c'est le plus populaire. C'est un régime enregistré d'épargne retraite, sauf que c'est quoi que ça mange en hiver, un régime enregistré d'épargne retraite? On va dire que Ben, un personnage totalement fictif dont j'ai pris le nom je sais pas où, on va dire que Ben, il gagne 50 000 $ brut par année. En passant, quand je dis brut, ça veut dire avant impôt. Donc un salaire brut, c'est exemple 50 000. Là, après ça, je paye des taxes, je paye des impôts, mais je tombe à exemple 30 000. On va dire ça comme ça. Okay? Ça va être le salaire net après impôt. Donc notre cher Ben, lui, il pourrait décider de mettre de l'argent de côté pour sa retraite en prenant, disons, 5 000 $ de son 50 000, puis en acheter une action dans un REER. L'avantage de faire ça, c'est que Ben, pour son année de travail, il va devoir payer de l'impôt pour 45 000 $ seulement. Donc il sauve de l'argent en épargnant. Si vous comprenez bien, au début, j'avais gagné 50 000 $ en brut. De ce 50 000 $-là, je prends un 5 000 que j'ai pas de besoin pour vivre, si on veut, puis je le place dans une action. Donc, ça veut dire qu'il me reste 45 000 de mon salaire. Mais le REER, c'est ça que ça fait. On prend de l'argent qui est pas taxé, puis on va le placer dans une action. Donc ça, ce que ça permet de faire, c'est de sauver de l'argent qu'on paierait en taxes sur le salaire qu'on gagne dans une année. Donc au lieu de payer des taxes pour 50 000 $, ben Ben va payer des taxes pour 45 000 $, ce qui est avantageux. Par contre, ça serait trop beau pour être vrai si c'était juste ça. Quand que Ben va retirer ses REER à la retraite, par exemple, ben il va devoir payer de l'impôt sur le 5 000 $ qu'il a investi plus tôt. Exemple que mon 5 000 $, le 5 000 $ de Ben, il vaut 20 000 $ dans, disons, 40 ans, là. Ben, je vais devoir payer de l'impôt sur le 20 000 $ en totalité et non juste sur le 5 000 $. Donc là, ça peut paraître un petit peu fou de faire ça parce qu'en fait, on va juste payer plus d'impôts qu'on en aurait payé si on avait payé de l'impôt sur le 5 000 $ sans l'investir. Mais ce qui est avantageux avec les REER, c'est que souvent, quand on est à la retraite, on gagne moins de revenus parce qu'on est à la retraite, donc on n'a plus de job. Donc, ça revient quand même avantageux de faire ça parce que plus on gagne cher, bien plus on gagne d'impôts. Donc, on essaye un petit peu de diviser les impôts tout au long de notre vie. C'est pour ça que c'est avantageux d'en payer un petit peu à la retraite puis d'en payer un petit peu moins quand on a, exemple, 30-40 ans puis c'est là qu'on gagne le plus d'argent.
Rapidement, comment ça fonctionne les impôts? Ben, on peut voir ici un petit tableau que j'ai pris sur Internet qui représente un petit peu les tranches de pourcentage d'impôts qu'on va payer selon notre salaire. À noter qu'ici, c'est juste le tableau pour les taxes provinciales, les taxes du Québec, mais qu'on va aussi payer des taxes fédérales, mais je ne les montrerai pas dans la vidéo par souci de simplicité. Donc, on peut voir que si on fait 44 545 ou moins par année, ben, on va payer 15% d'impôts sur ce salaire-là. Si on tombe plus haut que ça, donc disons qu'on gagne 50 000 $ par année, ben les premiers 44 000 $ vont être, ben en fait, les premiers 44 545 $ vont être imposés à un pourcentage de 15%. Sauf que le 5 455 $ restant, donc pour se rendre à notre 50 000 qu'on disait tantôt, lui, il va être imposé à un taux de 20%. Puis c'est tout ça qui explique pourquoi que plus on gagne cher, ben plus on paie d'impôts. Aussi, en date de 2020, ben, les 12 298 premiers dollars gagnés dans une année ne sont absolument pas imposables. Donc, pour nous, les étudiants qui, j'imagine, en général, gagnent dans ces environs-là, là, je fais une grosse généralité, mais on va présumer que les étudiants gagnent aux alentours de 12 000 dollars, ben, c'est pour ça qu'on paye très peu d'impôts, parce que les 12 298 premiers dollars ne sont pas imposables, et ce, pour tout le monde. Pour les étudiants, personnellement, je trouve que les REER, c'est pas très pertinent parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, de façon générale, les étudiants et les jeunes ne gagnent pas beaucoup d'argent et donc payent très peu d'impôts. Et si on paye pas d'impôts, ben l'avantage du REER, ça perd tout son sens en fait. Maintenant, le CELI, qui est un compte épargne libre d'impôts, ça c'est plus avantageux pour les étudiants. Je vous explique, OK? Disons que Ben, encore une fois, c'est un étudiant de, on va dire, 18 ans, puis que Ben, il... on va dire Ben, pas Bang, il gagne 15 000 $ par année parce qu'il travaille fort l'été et puis il travaille même pendant ses études, OK? Donc avec son 15 000 $, Ben, il peut décider de l'investir totalement. Donc, il va payer un petit peu d'impôts dessus. Je ne sais pas combien, combien il va payer d'impôts. Ben, là, on va dire qu'il gagne 15 000 $ brut puis qu'il se ramasse à la fin avec 14 000 $ net. J'ai aucune idée si ça va ressembler à ça dans la vraie vie, mais juste pour le cas fictif, on va dire que c'est ça. Donc 14 000 après impôt. Mais la différence entre le CELI et le REER, c'est que le CELI, on investit de l'argent qui a déjà été imposé. Donc là, je pourrais placer mon 14 000 $ dans une action aujourd'hui, le retirer dans 40 ans, puis payer absolument aucun impôt dessus. Donc exemple que mon 14 000, ben, il vaut 14 000 aujourd'hui, mais que dans 40 ans, ce 14 000-là, on va dire qu'il vaut... 40 000, OK? C'est rendu qu'il vaut 40 000. Donc, je peux retirer le 40 000 totalement, puis ça, c'est de l'argent clair dans mes poches. C'est pour ça que c'est vraiment très, très, très intéressant pour les étudiants, étant donné qu'on ne paye pas beaucoup d'impôts. On peut faire des gains en capital, des gros gains en capital, puis payer absolument aucun impôt dessus. Donc, c'est vraiment ça le gros avantage du CELI. Au final, la différence entre les deux, là, c'est qu'un REER, c'est investir avec de l'argent non imposé et payer l'impôt plus tard. Puis un CELI, c'est investir avec de l'argent imposé et ne pas payer d'impôts plus tard. Donc maintenant qu'on sait la différence entre un REER et un CELI, puis on sait pourquoi un CELI, c'est plus adapté pour les étudiants qui gagnent généralement moins de sous, bien on va voir maintenant qu'est-ce qu'on fait dans notre CELI une fois qu'il est ouvert. La première stratégie en bourse, c'est le day trading. Puis je pense que la bourse est considérée comme risquée, en tout cas pour moi, avant de connaître ça, là, entre gros guillemets, mais je considérais que la bourse était vraiment très risquée. Sauf que je pense que cette réputation-là, elle vient un petit peu du day trading, parce que le day trading, c'est probablement la stratégie en bourse qui est la plus risquée, en tout cas qui est la plus risquée si on ne sait pas ce qu'on fait, parce que si je me fais une statistique que j'ai prise sur Internet, ben c'est 80% des day traders qui arrêtent totalement leur activité, donc on va dire qu'ils font faillite en dedans de 2 ans. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, puis c'est pour ça que je pense que la bourse, ça peut être considéré comme dangereux. Puis là, je vais pas trop m'aventurer dans le day trading, parce que je vais être honnête avec vous, je connais absolument rien là-dedans. Je tenais juste à dire que c'est une stratégie qui est réservée pour les experts, puis que je conseille à personne de se lancer là-dedans si on connaît pas ça dans le fond. La deuxième stratégie maintenant, c'est le swing trading. Ça, le swing trading, on pourrait appeler ça aussi une stratégie à court terme. On parle d'environ acheter une action aujourd'hui et la revendre dans 2 semaines. Ça, c'est ce qu'on appellerait du court terme en bourse. Next, on a, vous l'avez guessé sûrement, le moyen terme. Je vous donne un exemple pour le moyen terme. Mars 2020, pandémie mondiale, plus de vols d'avion à cause de la pandémie, ça voyage plus. Donc là, Air Canada, l'action à plante. Là, on se dit, ah, tabarouette. Moi, je vais acheter Air Canada maintenant, puis la revendre dans 6 mois, 1 an, quand que les vols vont avoir repris, puis que l'action va commencer à prospérer, à vraiment devenir plus payante. Là, on s'entend que c'est pas ça qui est arrivé, là. Mais en général, du moyen terme, c'est ça. C'est
un petit peu surfer sur les tendances du marché, sur ce qui se passe dans les nouvelles dans le monde, puis se dire, OK, j'achète une action maintenant, puis je sais que dans 6 mois, cette compagnie-là va sûrement être vraiment meilleure. Donc ça, c'est du moyen terme. On parle généralement entre 6 mois et 1 an. Dans la stratégie long terme, on a investir pour le capital ou investir pour un cash flow, un revenu récurrent. Investir pour le capital, c'est quand même assez simple. C'est acheter une action aujourd'hui, puis espérer que le prix monte beaucoup d'ici le temps où on veut retirer. Je donne un exemple pas compliqué, là, j'achète une action de Tesla à 600$ aujourd'hui, puis moi je me dis que dans 40 ans, elle va être rendue à 10 000$, là je dis n'importe quoi en 100 ans, puis je veux la revendre à ce prix-là. Mais cette stratégie-là, bien qu'elle paraît très simple, bien, j'en connais en réalité peu là-dessus, puis je pense que c'est plus complexe que ça en a l'air. Mais maintenant, je vais vous parler de du deuxième volet de la stratégie long terme. La deuxième stratégie long terme, la deuxième sous-stratégie, on va dire, c'est celle des dividendes, du revenu récurrent ou du cash flow en anglais. Premièrement, un dividende, c'est quoi? Parce que souvent, on entend ce mot-là, mais on ne sait pas nécessairement c'est quoi. Donc, un dividende, c'est juste un remerciement, une espèce de carte de remerciement qu'une compagnie donne à ses investisseurs pour les remercier d'investir dans la compagnie. Donc, exemple très simple, moi j'achète des actions dans Apple parce que je pense que Apple, ça va être une bonne compagnie dans le futur. En passant, je dis encore n'importe quoi, j'ai même pas d'actions dans Apple, OK? Mais Apple, eux, dans le fond, ils vont me verser un certain montant par année, un petit montant, on s'entend là, pour me remercier d'avoir investi dans Apple puis de croire en eux. Je vous montre à l'écran maintenant un exemple plus concret qui va vous aider à comprendre c'est quoi un dividende puis c'est quoi que ça mange en hiver. En date du 25 février, quand j'ai commencé les recherches pour la vidéo, ben la banque Toronto Dominion, qui est une action cotée à la bourse, elle offre un dividende annuel de 3,16 par année pour chaque action détenue. Si on regarde le prix de l'action à ce moment-là, ça valait 77,42$. Donc si on fait 3,16 divisé par 77,42, on a un rendement annuel de 4,08% en dividende. Ça, c'est simplement en conservant l'action, sans racheter ou sans vendre l'action. Donc avec un rendement de 4,08%, c'est assez simple. Si je mets 100$ dans la banque Toronto Dominion, ben je vais recevoir 4,08$ de remerciement par année de la part de la compagnie, si on veut, en tant que dividende. Le rendement actuel de la compagnie, ça varie toujours un petit peu parce que ça dépend du prix qui change constamment au cours de la journée. Donc si vous allez voir le prix aujourd'hui, pendant que vous écoutez la vidéo de la banque Toronto Dominion, mais ça va avoir changé, ça sera plus 77,42. Donc disons qu'aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo, là, c'est à titre fictif parce que je peux pas prédire dans le futur le prix va être à combien, mais disons qu'il est rendu à 80$. On ferait 3,16 divisé par 80, puis on tomberait à un rendement de 3,95%. Fait que disons qu'aujourd'hui, le prix est à 80$. Si vous décidiez d'acheter une action maintenant, étant donné que le dividende annuel est de 3,16$, ben vous auriez un rendement de 3,95% par année en faisant 3,16 divisé par 80. Maintenant, ce qui est important de savoir avec les dividendes, c'est que les compagnies ne sont vraiment pas obligées d'en verser puis peuvent même arrêter d'en verser en tout moment. Si par exemple, on prend la compagnie Amazon, qui est vraiment une grosse compagnie que vous connaissez sans doute, bien, c'est une compagnie qui verse pas de dividendes à ses investisseurs. Puis elle a totalement le droit, on va pas la juger pour ça, c'est elle qui décide. La banque Toronto Dominion, c'est une banque canadienne, puis les banques canadiennes sont généralement reconnues pour verser des bons dividendes. Donc ça, c'est un exemple d'une compagnie qui verse des dividendes, mais peut-être que demain matin, la banque va décider d'arrêter de verser les dividendes. On s'entend que c'est vraiment très peu probable, mais c'est quelque chose qui se pourrait. Aussi, la banque, elle pourrait décider de couper le dividende. Donc au lieu de donner 3,16 par année par action détenue, bien, la banque pourrait décider de dire « OK, à partir du prochain mois ou de la prochaine année, bien, je vais donner 2$ par année au lieu de 3,16. » Ça, c'est quelque chose qui se peut. Par contre, puis là, vous allez voir où je vais en venir avec ça, la stratégie dividende, pourquoi c'est vraiment bien, c'est qu'une compagnie, souvent, si on choisit bien nos compagnies, mais la compagnie, ce qu'elle va faire, c'est monter son dividende au fil des années. Si on prend encore la banque Toronto Dominion comme exemple, bien, on peut voir sur le graphique qu'elle a augmenté son dividende chaque année depuis 2017. On le voit pas sur le graphique parce que je suis pas premium sur le site internet, là, mais plus bas, c'est écrit qu'elle monte son dividende depuis en fait plus que 10 ans. En passant, ici, c'est le dividende trimestriel. Donc pour avoir notre 3,16 annuel de tout à l'heure, ben, il faut faire 0,79 x 4 égale 3,16. Tantôt, quand je vous ai dit qu'en investissant 100$ dans la banque Toronto Dominion, on ferait juste 4% par année, donc 4$ par année, mais peut-être que vous vous êtes dit que c'était vraiment pas beaucoup puis que ça valait pas la peine. Je suis d'accord avec vous, au début c'est peut-être pas beaucoup puis peut-être que ça vaut pas la peine au début. Sauf qu'imaginez, au bout de 30-40 ans, au fur et à mesure, si vous continuez constamment à mettre de l'argent dans les compagnies et si en plus, si vous avez bien choisi vos compagnies
elles vont monter le prix du dividende annuel. Mais en plus des intérêts composés qui s'accumulent, on a les dividendes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Fait que la courbe, elle peut devenir exponentielle assez rapidement, là. Si vous vous demandez, oui, ça existe des investisseurs qui vivent uniquement des dividendes, donc ils n'ont pas de travail à côté, puis tout ce qu'ils font, c'est recevoir de l'argent pendant qu'ils dorment. C'est du revenu passif qu'on appelle. Évidemment, ça prend beaucoup de capital investi pour faire ça. C'est pas en étant étudiant qu'on va se rendre là. Mais si on commence en étant étudiant, dans 30-40 ans, pour ceux qui continuent de mettre de l'argent régulièrement et qui choisissent les bonnes actions, ben on peut peut-être se rendre quelque part près de là. Là, je dis pas évidemment qu'on va tous être capable de vivre uniquement avec des dividendes, mais ça peut quand même ajouter un bon revenu par année, puis ça peut être vraiment intéressant, je pense. Quelque chose que j'avais de la misère à comprendre quand je commençais avec les dividendes, c'est pourquoi que ça allait être vraiment payant tant que ça dans le futur, puis pourquoi que le rendement serait si bon que ça. Je vous explique, OK? Imaginez qu'on achète une action aujourd'hui puis qu'elle vaut 100$. On va dire que cette action-là inverse un dividende annuel de 4$. Donc, on a un rendement de 4%. De 4 divisé par 100, ça fait 4%. Sauf que là, au fur et à mesure des années, on a dit qu'une bonne compagnie, si on la choisissait bien, ben elle allait augmenter son dividende au fur et à mesure des années. Évidemment, ça, c'est pas certain, mais on est capable, justement, avec la stratégie long terme, c'est ça que la formation m'a enseigné, à choisir des bonnes compagnies qui permettent de choisir les bonnes actions qui vont probablement continuer d'augmenter leurs dividendes dans les futures années. Donc, si la compagnie continue d'augmenter ses dividendes, exemple de 4 à 4,25, à 4,50, à 5$, mais comprenez que l'action que j'ai achetée, moi, je vais toujours l'avoir achetée à 50$. Le prix que je vais l'avoir acheté, il bougera jamais, mais les dividendes versés par année, eux, ils peuvent bouger. Donc, présentement, aujourd'hui, si je l'achète à 100$ puis qu'elle verse 4$ de dividendes, ça fait 4% de rendement. Mais si dans 20 ans, la compagnie s'est rendue qu'elle verse, je sais pas moi, 6$ de dividendes par année, mais je vais quand même l'avoir payé 100$. Sauf que là, mon rendement, au lieu d'être 4%, il va être de 6%. Puis c'est pour ça que la courbe, ça peut devenir exponentielle assez rapidement. Parce que, étant donné que les dividendes augmentent toujours, mais en plus que notre rendement, juste avec les dividendes, augmente, mais si on réinvestit toujours l'argent qu'on fait avec les dividendes, bien vous comprendrez que c'est des intérêts composés, en plus des dividendes qui augmentent toujours. Donc, c'est comme une double courbe exponentielle. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables, en mettant un certain capital, de vivre juste de leurs dividendes après 30-40 ans d'investissement. Je sais que c'est vraiment pas facile à comprendre au début. C'est un concept que j'ai vraiment eu de la misère à comprendre. J'espère que ça a été clair la façon que je l'ai expliqué. Si c'est pas clair, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé, ça va me faire plaisir d'essayer de vous l'expliquer en d'autres mots, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre pour comprendre à quel point les dividendes, ça peut être payant, surtout pour les étudiants qui ont du temps, parce que cette stratégie-là, si on la commence quand on a 50-60 ans, mais c'est moins payant parce que notre rendement a moins le temps de monter. Mais quand on est étudiant, mais notre ressource numéro un, c'est le temps et non l'argent. Donc si on met le temps à notre profit, ben ça laisse le temps au rendement des dividendes d'augmenter. Aujourd'hui, mon but avec la vidéo, c'était juste de peut-être briser le mythe que la bourse c'est risqué puis que personne ne devrait investir dans la bourse, surtout quand on est étudiant, parce que je pense que c'est totalement faux. Je m'étendrai pas plus que ça. Laissez un commentaire, laissez un like si vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi si vous investissez en bourse ou si vous comptez investir en bourse. Et sur ce, on va se voir dans la prochaine vidéo. Ciao!